Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va changer ce petit truc complètement moche. Comme vous savez, j'ai changé les clignotants avant qui sont maintenant transparents. J'ai encore du coup les répétiteurs ici qui sont orange et je les trouve complètement moches, ça fait vraiment dépasser. Donc pour ça, moi j'ai investi dans des clignotants qui sont blancs, donc ça va se marier avec les clignotants avant. Donc normalement ça doit être hyper simple à faire, c'est du plug and play, je vous montre tout de suite. Le changement est relativement simple, donc vous voyez c'est juste à tourner comme ça sur le côté. Et ça se retire. Donc vous voyez c'est orange et ce qui fait que vu que c'est bien orange je suppose, ouais, l'ampoule est blanche, ce qui fait que je vais devoir changer cette petite ampoule parce que du blanc comme ça sur du blanc bah ça va clignoter blanc et c'est pas du tout le but. Donc pour ça j'ai prévu le coup et j'ai ces petits bulbes orange qui pourront fonctionner parfaitement avec les nouveaux clignots. Voilà, alors une fois que c'est attaché, pareil, on a juste à le reclipser comme ça l'était avant, donc là ça ne tombe pas et voilà, le rendu est beaucoup mieux, vous voyez, avec les clignotants qui ont été remplacés, donc cristal avec ce clignotant là comparé à celui-ci qui fait vraiment, je sais pas, sérieusement, c'est débile, on est d'accord. On dirait les clignotants qu'il y a sur les voitures de manette. Avant, ça clignotait du coup comme ça. Vous voyez, c'est beaucoup plus beau. C'est un petit détail, mais qui fait la différence. Parce qu'au final, vu que tout va changer sur la voiture, ces petits détails apportent quand même un petit complément, on va dire. Et surtout une petite touche de détail. C'est ce qui manquait sur cette voiture. Ah ouais, non. Ça a beaucoup plus de charme comme ça. On est d'accord, regardez-moi ça. Ça termine la voiture, surtout avec ces petits clignotants qui sont crystal white. Là, vous avez celui-ci qui est parfait. Ah ouais, non, franchement, comparé à cette merde, franchement, il n'y a pas photo. Moi, en tout cas, j'adore. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire si vous voulez que j'y réponde dans la prochaine vidéo. Merci à tous et passez une belle soirée.